Bon, nous y voilà. La mer a beau être à proximité, la chaleur a tout gâché. Toute la pollution du Juron retombe sur cette station balnéaire. Ouais, mais où est Juron alors? Tu vois pas? Là en haut de la falaise où partait le poteau électrique. Ah ok, mais alors c'est quoi ici? C'est l'ancien Juron, à partir de quoi ils ont développé la ville portuaire du dessus. Vous y connaissez vachement, dis donc. Ouais, tu sais, pour défendre l'attraction de chute de gravier, il fallait trouver toutes les conneries de la Shira. Je comprends. On descend vers la plage? Peut-être qu'on peut encore y tremper les pieds? Sans qu'il soit dissous, tu peux essayer. Crud! Mon dieu, regarde! Un monstre attaque une jeune fille! Dame Ned! Aide-la! Ok. Yeah! Mes amis, me revoilà pour un nouvel interview musical. Alors, que vais-je vous mettre aujourd'hui? Eh bien, c'est simple, je vais tout simplement vous faire regretter d'avoir des oreilles. Je suis libertine. Je suis une catane. Et oui, ça date un peu. Allez, retour à l'épisode. Ma bordel, qu'est-ce que tu viens foutre ici, Louis? Ah, vite, la moustache. File-moi ma moustache. Et toi, continue de filmer. Mademoiselle, ça va? Ne bouge pas, Priscilla. Je vous connais, non? Bah non, mais regarde là, elle ne respire plus. Quoi? Allez, il faut faire du bouche à bouche, mon garçon. Moi? Bah oui, vas-y. Inspire à bon coup et souffle l'air dans ta bouche. Mais qu'est-ce qu'il fait, cet enfoiré? Cette jeune fille s'est fait attaquer par un monstre, elle s'est noyée. Oh non, la pauvre. Crade fait du bouche à bouche pour la réveiller. C'est bizarre, il me rappelle quelqu'un, mec, à côté d'eux. Ah, mais elle se réveille pas. Il va falloir trouver mieux. Mais quoi? Yes, lèche-lui le clitoris. Pardon? Bah oui, elle va forcément se réveiller si tu lui fais ça. Tu tournes toujours, Pedro? D'accord. Allez, descends vers ça. Voilà, très bien. Maintenant, titille un peu avec le bout de la langue. Mais... C'est vrai qu'ils vont un peu fort, mais ça marche. Regardez, elle commence à se réveiller. Quoi? Mais si! Si elle a quelque chose dans la bouche, ça va la pousser à souffler et ça va faire sortir l'eau de ses poumons. Je doute que... Tu vas la sauver, vous, merde? Oui. Alors ouvre ta braguette et fous-lui son truc dans la bouche, bordel. Non, mais il fait quoi, là? Il fait quoi? Waouh, il est bien... N'y pense même pas. Mary? Oui, parfait, parfait. Tu vois, elle réagit. Il ne manque plus qu'un truc pour la réveiller totalement. Quoi? Prends-lui le cul, vas-y. Défonce-la! Mais il faut vous faire soigner, vous! Et là, je t'ai dit, tu t'as sauvé mon film! Cette fille, Votre film? C'est gars, je l'en connais! Susan Cornetto! Et merde, Santa Maria! Tu vas voir ta gueule, connard! Et tu vas me faire quoi? Me donner des coups d'airbag, peut-être? Mon bordel, salope! Je me vengerai, tu m'entends? Non, mais où? Crade, ça va? Ouais. Je suis super bien. Hé, hey, salope! Enlève son truc de ta bouche! Ah, désolé, mais... C'est tellement... Je vais vous laisser. Je dois me reposer. Ces hommes. Bah, si ce n'est pas trompé. Mais quel putain de proxénète se donne. Je te signale que t'as couché avec lui. Pour la bonne cause. Bon, si on allait dormir. Youhou! Tiens, grand-mère nous appelle. On y va? Ouais. Enchantée, je m'appelle Germaine. Si vous voulez, vous pouvez dormir gratuitement dans ma maison ce soir. Eh ben, votre proposition est très aimable, mais nous ne voudrions pas déranger. Au contraire, je vous demande qu'une chose en échange. Laquelle? Je veux me taper le petit blond, là. Pardon? Madame... Mais c'est rien, juste pour le cul. Ça fait 3 jours que j'ai personne sur moi, car ce petit mec m'a impressionné avec Priscilla. Mais madame, voyons. Bon, allez, laissez-la se dérider, les conduits, la vieille. Poufi, on parle pas comme ça des personnes âgées. Je m'en fous, je le veux. Bon, d'accord. Hi-ha! Allez, la maison est juste là. Et toi, viens là. Le pauvre, je comprends qu'il bloque avec les filles. On veut toutes le violer. Et oui, même les mecs. Plaît-il? Allez, on va dormir. Ah, une bonne nuit de sommeil. Ouais. Je me demande dans quel état on va retrouver Crade ce matin. Bouf, qu'est-ce que tu veux qu'elle lui a fait à la vieille? Allons voir. Bonjour Crade. La vache! Elle était déchaînée, la vieille! Je sens plus le pas de mon corps. Ça va, tu peux marcher? Ouais. Tu veux une potion? Une crème anti-inflammation serait plus adaptée. Purée! Vous sentez cette musique? Ouais, c'est quoi? Quelle musique entraînante! Tu trouves, toi? C'est la cérémonie d'accueil du président Dreyfus. Ah ouais, c'est vrai! On devait pas y aller? Bah, pourquoi faire? Bah, ils poursuivent qui s'y frotte, non? Ah ouais. Peut-être qu'il est parti sur l'autre continent? Pourquoi faire? Retourner à Nibelheim, peut-être? Si on tue, il est parti de Nibelheim vers Midgard, en traversant les océans, uniquement pour buter le président de la Shira, et repartir ensuite sans même s'occuper de Dreyfus? Bah ouais, pourquoi pas? Bah oui, pourquoi pas? C'est bizarre, mais voir mon raisonnement approuvé par toi ne me fait pas vraiment plaisir. Ni. Putain, c'est cette pétasse d'actrice porno! Laissez-moi la buter, cette pute! Calmos! Calme-toi! Salut, les talons! Bonjour. Vous avez un problème? Est-ce qu'il y a un moyen d'accéder au niveau supérieur? Bien sûr, l'ascenseur au bout du village, mais il est bloqué par un soldat. Je me l'ai fait sans problème.
Non, ça pourrait attirer l'attention sur nous. Sinon, Flipper le dauphin sauteur peut vous aider à monter par les barres électriques. Électriques ? Elles sont sans danger, vous voulez essayer ? J'y vais. Il est où ? Attends, je l'appelle. Alors, viens là. Je monte ? Oui, oui. Hop ! Je crois qu'il se noie. Mais va-t'en, reste pas dessus ! Bon, Krat, vas-y alors. Ok. Et maintenant ? Va en dessous d'une poutre et fais-le sauter en sifflant. Ok. Alors, ici, ça devrait être bon. Merde ! Il est mignon, ce dauphin. Oui, c'est Don Cornetto qui me l'a offert. Il m'a jamais rien offert à moi. Mais moi, je suis sa fille. Quoi ? Il veut tourner dans un film porno ? Dites, sur quelle poutre il devrait aller ? Sur celle du milieu. Et les autres ? Il y a un courant de 10 000 volts dedans. Quoi ? Tad ! Passez-la ! Tad ! Ça va ? En pleine forme. Bon, on va réessayer.